Mais la justice pays d'Haïti apprend code peuple haïtien. Parce que monsieur, il y a plusieurs gros dossiers que monsieur impliqué dans le pays. A, que les États-Unis d'Amérique, t'as des yeux sur monsieur. Mais dossiers âmes ça, sont occasion en or que la justice américaine gagne. Puis tout fait déshabiller les criminels, ça définitivement. Monsieur, il est dansé Berto. C'est monsieur qui met la justice dans le pays d'Haïti. Et qui est-ce qui met-elle? C'est Dimitri Vob qui met-elle. Parce que Dimitri Vob, volant l'argent pays, dans le cas où il y a un blackout sogénère, citoyen ça lui mette, hein? C'est lui-même qui était ministre, c'est lui-même qui était avocat, alors qu'il est toujours avocat sogénère. Et dans la minute, je parle avec nous là. Le style qui est dossier sogénère dans le cabinet, c'est lui-même qui vient dossier sogénère là. Dimitri Vob prend monsieur, mettez le ministre de justice pour venir défendre parce qu'il y a des problèmes avec la justice haïtienne. Donc, il y a une décision que la justice haïtienne déprend contre la famille Vob. Et bien, depuis la gang, ça a monté, il doit dire laisse à monter dans le ministère de la justice là. Les cas, c'est toute décision que la justice haïtienne déprend contre la famille Vob là. Peuple haïtien, tenez bien. Citoyen, ça a son job bien spécifique qu'elle vient faire. Et monsieur sont malveillants. Monsieur sont petits volants. Monsieur sont droit dealer. Monsieur sont pas sérieux. Elle vient défendre pas sérieux notre tête ministère de la justice dans le pays. Garde des sceaux de la République. Écoutez bien. Je parle ensemble avec madame Jonas et monsieur Jonas qui gagne bateau Miss Lily dans port de paix. M'a dit monsieur Damio, pas inquiétez nous, pas plaignez. Nous pas besoin frustrer par rapport avec attaque que nous ouais ravette n'importe quoi à faire sur nous. Pas inquiétez nous. C'est mon Dieu dans le ciel là oui. Qui profite d'utiliser bateau nous oui. Pour le déshabiller depuis ces ravettes criminels qui dans gouvernement pour y sortir ça oui. C'est nous qui a fait là, il dépasse nous même comme mettre bateau oui. Et nous pas faire rien contre ça non. De ces âmes, ça l'a bien. Sous de ces âmes, regardez, qui a déshabillé tout le avec criminel pour y sentir dans le bon. Moi, je souhaite que nous mettons à la hauteur pour nous comprendre exactement qui service que bateau noir apprend avec peuple haïtien, avec pays. Nous ne sommes pas qui sont l'attaque nous. C'est toujours le système, non? Ravec système, non? Il y a les Pierre Espérance. On parle qui te produit un rapport sur nous. Les dit comme ça que Marie, qui s'est retiré les Jonas, Marie Miss Lilian, c'est 200 000 dollars américains bail pour le libérer. Parce que c'est un menti. Madame, c'est 5 000 dollars américains. Les payons un avocat. Pour avocat capable de travailler sur la libération de Marie. Puis ils ajouter 5 à 15 000 américains. Pour dire c'est 200 000 dollars américains. Que Marie a payé. Et pour la plus loin. Le fait qu'on est que Marie était payée, directrice douane pour de Pellan, qui c'est Nadège Rebecca qui a profité pour nous saluer, madame Kaki, qui se font un bel travail sérieux, dans la tête douane de Port de Pellan. On va attendre Pierre Spence de ça que c'est payé, Jonas était payé. En parlant de Jonas, c'est propriétaire bateau Miss Lily. Il dit c'est payé, Jonas était payé, directrice là, pour le pas fouiller bateau. A. C'est pas sérieux ça. Yo gale Pierre Espérance, c'est pour Pierre Espérance. Fait dossier à tout nous qu'on gale matcha. Sale tout le monde, épingle tout le monde, rentre tout le monde, ça veut dire dossier à venir chaka. Le ça, tout le monde après pas gagné intérêt pour continuer à siger avec dossier. Mais Pierre Espérance, comme un petit voleur, comme un petit vicieux, comme un petit kidnappeur, n'a pas de prise. Livin ouais que l'ambassade américaine a pesé sous dossier. Et que des nègres qui sont marrés dans le dossier. Nègres qui sont marrés là. Qui sont gros potentats. Conseiller ministre de justice. Secrétaire général Barreau de Port-au-Prince. Regardez non, ce n'est pas des CPJ directement qui prend décision. Lui-même personnellement qui pour faire marrer, monsieur, non? Tout ça pas simple que ça, non? Ce n'est
mais qui est vraiment compliqué. Et que l'instant où j'avais été besoin de résoudre le problème, non, avec le conseiller avec le pays d'Haïti. Mais de fait, ils ont profité de dossier ça. Pour déshabiller les criminels. Mais la justice là qui se donne dans ce bateau, de fait, c'est le Nouguela. Il est bien malheureux, oui. On n'a pas participé dans le dossier de drogue. Et de fait, il prend prison pour dossier de drogue dans le pays. Mais je dis à 15 minutes de justice, moi, c'est lui-même. Qu'est-ce qui met en justice nous? C'est lui-même. Il y a un petit volant. Qui est-ce qui met en encore? Il y en a qui tout le président de la République. Qui te coupé un contrat. Pour avec là. Mais c'est ça. Je dis, qui met en justice pour nous. Est-ce que nous comprenons la situation? Est-ce que nous comprenons ce que nous avons là? Et je dis là, je dis très bien, situation empirée. Et n'est pas qu'à frayer contre ça. Parce que cas grave, quelque chose, je sais. Tout le monde a pris le code dans le dossier ça. Et on bataille en pile pour être libéré. Citoyen Sarrelé, Robinson Pierre-Louis. Il faut nous connaître que c'est ta cousin Josué Pierre-Louis. Bon ami, ministre Justice d'Orsebeto. Association malfaite ça. Groupe gang ça. Papa ici, je dis nous ça très bien. Dossier bateau, Miss Lili, n'a pas de paix. Mais de fait, son bateau a déshabillé tout travail dans mon presse. En parlant de ça, nous avons pile monde comme si nous avons dit, fermez les yeux sous dossier, cargaison zam dans mon presse. Comme si prêtre catholique pensait que, comme si son dossier nous même dans l'info bateau, dans la vague, bonne ravette pour y sentir. Bonne gang, bonne criminel, bonne contrebandier, bonne assassin. Et je te peux pas ici, doit connaître à quel niveau l'église épiscopale d'Haïti et l'église catholique d'Haïti a tout le monde dans le pays. À travers la cargaison de zam, après dans le pays, nous trafic zam, nous trafic balle dans le pays, nous connaissons ça. Nous sommes méchants, nous sommes criminels, c'est l'argent qui remet. La vie, nous ne pas représentant rien pour eux. Je te dis, plus important pour un prêtre catholique, chanter entièrement une famille, qu'elle bloquait, ne qu'à utiliser l'un pour faire contre maintenant. Comme des zam dans le pays, c'est le plus facile pour lui, pour chanter entièrement. Quel propre lui-même, franchise que l'État ici balayant. L'utiliser pour faire entrer ZAM avec 4 champions, 4 tout le monde sait que l'absence d'entendement. Moi-même, je veux que nous comprenions la situation. Parce que c'est extrêmement grave. Et nous ne pouvons pas faire battre sur lui. Je dis, nous ne pouvons pas parler de plusieurs dossiers. Ou même, quand vous regardez là, assumez responsabilité. Parce que nous-mêmes, nous faisons un choix. Nous faisons un choix pour nous déshabiller tout travail, tout criminel. Qui met costume moun de bien sou yo, qui fonctionne sous moun dans le pays d'Haïti. Et maintenant, nous avons honnêtement, l'homme sans jouer quand rentre dans l'église, quand prend un policier pour tout y est là, l'homme sans jouer son travail là, fait son job là, fait. Pour autorité en place yo, autorité dans la police là, dans la police yo, pardon. Ça veut dire que je dis, hein, quel que soit policier qui organise ou, qui a traqué gang pour tout bon, qui gagne encore, gang le mot sans jour. Gang j'ai peur. Quelque chose à police qui est dévoué, qui a travaillé avec volonté pour tout bon, et même garantie ou. Supérieur, hiérarchie courant, lui-même, ils ont gang, ils ont chef gang, ils ont fondement fondateur, fantôme 609. Tôt ou tard, ils ont fait gang de manger quand même. Parce que gang n'est plus bien équipé par ça comme policier. Elle a plus d'importance. Dans les yeux autorité qui supérieur là que eux même qui policiers. Je t'aime souhaiter que des policiers qui dans l'institution police nationale d'Haïti commencent à garder tête dans miroir. Ça pas dans vol yo, ça pas dans gang, ça pas dans kidnapping yo. Quel est qui est cap diriger nous comme déjà la police. Et bien comprendre situation exactement. Peuple haïtien, nous avons plusieurs dossiers que nous allons traiter ensemble avant dans cadre émission ça, alors cette vidéo que nous faisons pour vous, chaque matin, est très important pour qu'on même vous partage, commenter, like. On avance. Écoutez bien. Dans le pays de la Turquie, dans notre dossier qui a un rapport avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, et même haïtien, dossier a pour notre dimension. La justice dans le pays de la Turquie, sous demande FBI, il dit comme ça que faut que nous ne pas libérer Sami Randal. Eh bien, d'après l'information qu'on a fait nous croire que Sami Randal actuellement là en prison toujours sous demande la justice américaine. Eh bien,
dossier assassinat président Jovenel Moïse là, peuple haïtien, gon l'autre gens. Les oligarques corrompus de Port-au-Prince, viennent moi dossier ça, parce que dossier ça, li quoi que n'en gonjou pour tout bon. Et maintenant, le docteur Claude Joseph, qui te bataille pour te faire mettre code dans le cours à Mirandal. Maintenant, le docteur Claude Joseph, même j'ai eu contact avec Claude Bois, essayez de fournir Claude Bois pour nous, pour vérifier. Est-ce que c'est vérité et que Samir Ndal est en prison toujours? Docteur Claude Joseph, vous connaissez qu'on est capable de faire ça, rendre le pays à service ça, faire des trois coups de fil là-bas pour nous, pour confirmer l'information ça, pour nous-mêmes dans l'info-beto, pour nous partager avec le peuple nous, capitaine nous, cap garder nous, chaque jour à partir de 11h du matin. En avance, peuple haïtien, nous avons pris cause que nous pouvons parler ensemble avec vous. Maintenant, profitez pour nous dire bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous garder nous. Encore une fois, gens que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi pour que je m'assemble avec nous. Et ça va me faire du bien à chaque fois que je me connais. Je viens partager pour moi, ça avec nous. Et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Ben oui, tout ça que nous comprenons de ça qui dit dans l'académie Panouan qui passait sous plateforme Panouan à partir de 11h du matin, chaque jour dans le pays d'Haïti. Nous pouvons émission ça pour vous avant que nous fassions gros bouton ton live qui fait à 6h PM dans le pays d'Haïti. Nous pouvons émission ça pour vous pour nous réaliser les grands dossiers qui ont dérangé le pays, qui ont dominé le pays, grands dossiers qui ont costume dans le pays d'Haïti fin avec le pays. Nous allons pour vous à partir de 11h du matin. Quel que soit l'heure que vous attendez nous, émission ça passe 11h boule, 11h15 du matin. 11h15 du matin. Et vous allez faire 11h15 du matin dans le pays d'Haïti, on va supposer brancher émission ça qui passe sur la plateforme YouTube Foubetoa pour comprendre la réalité. Chaque matin, 11h15 du matin, nous avons une émission ça pour vous. Mais écoutez bien, dossier ZAM dans le port de paix. Peuple haïtien, ambassade américaine avec DCPJ, eh bien justement, besoin de mettre code dans le bois. Mini justice actuelle, qui est le dossier Berto pour dossier qui a des âmes dans le port de paix. Parce que écoutez bien, un commissaire du gouvernement, il y a un grand monde qui est capable de l'ordre pour libérer ou du moins arrêter un monde avec autant de facilité. C'est le ministre tutelle qui est le ministère de la justice, ministre de justice là. Actuellement, là, le monsieur qui est dans le ministère de la justice là, c'est Dorsey Berto. Il a arrêté de trois personnes dans la question de trafic d'armes dans le port de paix. Eh bien, c'est le ministre de justice là, oui, qui organise là avec conseiller lui. Et puis, l'autre monde qui est dans le ministère là. Et puis, faire relé. Commissaire du gouvernement pour de paix, pour dire libérer Mounio rapide. Parce que commissaire du gouvernement, pas de jamais qu'à libérer Mounio pour contre lui. Et bien la prochaine, ça passe le dossier qui doit faire trop parler en pile. À toute chale qui est dans le dossier, nous, le commissaire du gouvernement, pas hésiter, nous, monsieur, libérer Mounio quand même. Ça, il faut questionner. Et mais de fait, commissaire du gouvernement, qui met le code dans le bras, monsieur, en premier, monsieur dit, c'est Robinson Pierre-Louis qui relève dans le téléphone qui dit comme ça que le ministre de justice a dit ou libéré Mounio. Peuple haïtien, je t'ai même fait quoi que monsieur épinglé directement appel téléphonique ministre de justice là pour le demander de libérer Mounio avec autant de rapidité. Et mais DCPJ vient trouver dans l'obligation pour que l'étendait ministre de justice là. Et gros pression a fait sur l'information qu'on a gagné. L'ambassade américaine dit comme ça que faut DCPJ m'arrêter, m'arrêter coucrabe Dorsey Berto dans quatre dossiers ça. Parce que monsieur impliqué bien fond le trafic d'armes dans le pays. Et d'après toute gros toute information qui vient, c'est pas pour un dossier non. C'est un pilote dossier, oui, qui n'a pas avec dossier ZAM dans le pays, oui, qui nous a public là, oui. Ça veut dire que, je dis à la peuple haïtien,
ou bien yon ministre justice qui n'a association malfaiteur qui n'a trafic zam dans le pays, zam kap touye moun, kap fize moun, kap kidnappe moun dans le pays, li la dan. Qui intérêt pour nek sa ta genye, pour la justice ta krampe sous pied, pour arrêter gang, pour traquer nek, kap touye moun, kap kidnappe moun dans le pays, ça. Li va yper cet intérêt. Parce que son gang peut-être pas, li son drogue dealer, la défend yon chef gang qui est Dimitri Vob. Je veux dire, nous devons comprendre la situation, ça n'a pas vivre là. Nous devons connaître que, pas gagner rien de bien qui est capable de faire cette condition ça. Parce que les gens qui sont en tête, les gens qui dirigent nous, ce sont des gangs qui sont. C'est des kidnappers renommés qui sont. C'est des criminels notoires qui sont. Nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Et que nous-mêmes, nous sommes supposés prendre responsabilité nous pour nous battre contre le groupe gang ça qui est dans le pays. Je dis à nous prenons faire exercice ensemble avec et que nous prenons profiter, commenter et analyser. Déclaration, madame et Miss Lily, qui c'est madame Jonas, qui c'est propriétaire, Miss Lily n'a pas de paix. Qui a volé bien expérience à lapider et assassiner caractère. Et que nous disons, je dis à, quand ça va passer, ça te fait toujours de Moïse. Mais je dis là, nous même qui sommes dans les médias, nous ne pouvons pas quitter, yo assassiner caractère. Des citoyens paisibles pour être capable de protéger des criminels notoires dans votre presse. N'a pas le temps de recevoir une déclaration, Miss Lily, qui fait dans la radio-télévision Caraïbe avec Bob C. Quand elle a éclairci le dossier, car elle a des âmes dans le port de paix. Ou quand pile intérêt pour qu'on tende ensemble avec. Je invite au printemps, au printemps, pour nous tendre ensemble. Parce que moi j'ai des gros déclarations que je vais faire là. Nous allons commenter et analyser et me donner des informations que je vais faire nous dans le cadre de dossier ça. Mais dossier qui est pour vous, avec quelques autres ambassadeurs présents, moi même dossier ça me fait belle. Je ne vais pas vague sur lui. Et prêtre catholique, ben volant ça que vous avez dans le cadre de l'administration, l'église épiscopale d'Haïti, son équipe groupe gangue, et nous allons démasquer plus davantage. Parce que c'est volant. L'église catholique, président Jovenel Moïse, te kembe ou dans le pays d'Haïti. Avec plus passé 600 tonnes de fer dans le contrebande avec les oligarques corrompus de Pétionville. Pendant que vous-même utilisez franchise grand. Pour être capable de faire contrebande avec les qui dans le secteur privé dans le pays. Pour être capable de vendre. C'est bien, oui. Vous avez franchise, vous n'avez pas payé douane. Mais franchise de tabac, vous utilisez pour aider les oligarques corrompus de Pétionville à rentrer marchandises. Pour yon vin vann population. Qui criminel passe moun l'église catholique sa yo? Ban gang. Peuple haïtien, en outre dans son avem, madame Jonas, qui se propriétaire bateau Miss Lily, que bon Dieu voye ban nou, pour clean pays d'Haïti, avec nek ap rentre zam dans pays ya. Parce que nous pas le konnen. Et de sa gang pilote nek cheve kalalou la dan, ne yon pou cite. Kou yon fout kod nan bramini justice la, non sa yon pral cite définitivement. En outre de, déclaration Miss Lily, qui c'est madame Jonas, propriétaire de bateau Miss Lily, n'a pas de paix. En entendant, et puis n'a commenté et analysé ensemble avec elle. En avance, madame Miss Lily, ensemble avec elle, peuple haïtien. Marie, vous avez une petite boîte qui pépé en noir. Et cette boîte qui pépé en noir, là, aussi, j'ai vraiment fait trois personnes qui sont engagées pour lever cette boîte-là. Marie, nous disons que tout ce qui est dans cette boîte-là, pour ça, qui est lourd comme ça, qui fait que trois personnes qui sont engagées pour lever cette boîte-là. Est-ce que quelqu'un qui s'en démarre nous dit ça, la vérifier cette boîte-là. Ça que Marie toujours a plusieurs questions de ce qui va s'occuper de ça. C'est parce que les clients, ils ont un côté moteur, machine, pour ne pas avoir une page de moteur, ils ont plié notre boîte. Et puis ils ont raté en noir pour ne pas identifier qui s'en dans cette boîte-là. C'est pendant que Marie dit ça, et doit dire, à cette vérification, l'IOSC, Pépé, et bien dedans, boîte ça, l'IOSC 3, l'autre boîte encore, qui fait cartouche. Les fonds de vérifier ont l'autre numéro, le même numéro encore, c'est même bagaille. Les vérifications troisième encore, c'est même bagaille. Et puis, ils campaient tout le boîte, qui était parce que c'était 14 qui devait parler dans le jour avant, avec Bounan, et ils pouvaient vérifier, ils toutes les boîtes en otage, et puis ils venaient tout être parti concerné pour même venir vérifier ce qu'il y a dedans dans cette boîte. Très bien, oui. Et c'est parole ça, c'est ma vie, qui fait que qui y a toute arrestation, qui vient arriver à l'arrestation, Marine. Et c'est parole ça, tout, qui fait que y a fouillé la caille, moi.
à l'arrestation mari à 10h du soir, plus de 25 ans, cagoulé, sans l'ordre, la caille. Et ce bagage ça tout qui rivait, c'est même caché ça qui des bagages ça qui fait jusqu'à présent. Et des rapports qu'a fait, parce que moi, c'est que dit que Marine payait Madame Mimekazi Christian pour le pas fouiller voiture. Et c'est même parole ça tout qui fait tout son recap, qui fait jusqu'à présent. Il y a un des Marine, que c'est un associé, il fait association mal secteur. Et il n'y a pas de différence entre nous. J'apprenais le Stéphane grand machin de Dieu et qui assumait responsabilité et qui a mené mon la caille moun que le tal grand machin de Dieu. C'est seulement parole ça. C'est après une réunion avec douanier à diversion. J'avais la pétation hein, et c'est depuis le temps tout bagaille ça a recommencé. Ok. Donc, très bien, oui. Nous t'en avons un pile intérêt. Est-ce que la police t'est rejoignée? Moi, je ne connais pas si tu es rejoignée parce que tu es dans le côté, mais tu as pris dans le côté, tu as déposé 14 boissons avec nous. Est-ce que dans tout ça, nous avons enregistré nous-mêmes comme propriétaire de bateau, nous avons gagné des matériels qui t'apprêtent à aller joindre l'église épiscopale réellement? Non, ça sont l'autre. Non, ça est d'autres, c'est pas le point de paix. Ok, d'accord, je m'excuse. Donc, boîte ça, colis ça, c'est Eddy La France qui t'a porté dans le bateau. Eddy La France. Côté citoyen, ça, les mêmes. Eddy La France, par contre, côté lié pour le moment, mais nous-mêmes qui compagnie sécurité qui responsable sécurité pour le bateau, on est là pour charger côté mis dans le fond. Nous avons toutes informations et de la France, nous avons un truc et de la France qui est enregistré par fédéral aux États-Unis. Nous avons une machine, 20 machines qui sont venues pour les machines de Jovini. Nous avons tout ce qui est dans la Caïne. Et nous avons tout ce qui est dans comme preuve. Si que vous avez besoin d'avoir la justice pour commander l'information sur et de la France, Non. Est-ce que Miss Lily, qu'on habitué pour tes. Et bagaille pour Eddy La France. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Peut-être, vous prenez l'Ibali sous deux noms, l'Ibali sous Marie-Guilaine. Évidemment. Et nous pouvons jamais dire. Et puis, toutefois, que tu as eu Marie-Guilaine et tu m'as fait d'après vous, que tu dois encore le faire, je comprends deux noms, ça y est, tu es impliqué dans la tête dans notre bateau déjà. Et si l'un pas fait, je te mets ton avis de cette dernière mounsayo, je dis maintenant nous sommes victimes de cette privée-là. Parce que nous sommes bien sûr que nous sommes victimes de l'autre monde, mais pas des mêmes mounsayo. En toute sincérité, est-ce que c'est le moment fouillant, nous-mêmes comme propriétaires bâtiments, nous parlons au courant que tu as gagné ZAM à punition là-dedans? Oui. À toute vérité. Et c'est parce que Marie-Moi, c'est trois mouns qui engagent pour le vestibule boîte-là, qui est vraiment lourd. Marie-Moi, demandé pourquoi ça s'est battu lourd, parce que c'est trois mouns, quand vient dans cette boîte-là, comme ça. C'est parce que mon yon, même gasoline, mon yon, qu'on mettait dans la boîte, parce que yon, pas qu'on est, yon, peut-être tout ça, yon, joint yon, voyez dans le pays. Même gasoline, qu'on mettait dans la boîte, yon, mettait avec l'autre marchandise pour voyez aller. Ça, yon, vraiment, extrêmement lourd. Et c'est Marie-Moi qui a fait battre tout petit, et lui, yon, qui vient lourd pour trois mouns engagés. Après, il m'a demandé, il questionnait, mais tu vas prendre un yo, pour demander qui est-ce que tu vas faire ce bâtiment-là. Et c'est ça qui fait douanier à vérifier ce bâtiment-là. D'habitude, est-ce que c'est chaque fois Miss Lily a débarqué, ou même avec Mario, nous présents? Oui. Nous toujours présents. Nous sommes plus de 8 ans, okay. Depuis 2015 à nos jours, nous toujours présents. Ok, qui j'ai arrêté sur Mario Langal fait? L'été sous Portland pendant le débarquement ou bien nous la caille nous dans porte de paix, là où vient arrêter Mario? On m'a dit que c'était 5 juin, pendant que nous pas parlons. En outre, avec un pile intérêt. De trois palettes qui ont toujours été dans le bateau. Et m'a dit que c'était 5 juin, nous avons été responsables sous Portland, nous avons commencé à démarquer, nous avons tout un sorcio à monter le bateau. Moi, je vais avocat que vous avez consulté pendant que vous avez fini d'entendre et commissaire la deuxième émission de l'émission de par en lundi sur radio, que pour Batouan, nous avons consulté un avocat. Même temps, vous avez dit que vous avez consulté pour Batouan, moi, j'ai essayé de contacter l'avocat. L'avocat a dit que vous avez monté tout avec monsieur pour Batouan. C'est ni Marine, ni avocat, et directrice douanière, directrice immigration, tout inspectionnel a fait fouille sur Batouan.
Mwen a lè ou fin tap pou pou bato an, yo tseke, yo ven de to a la sekerite, pra polisi re yo, tseke, gade, et mal mouke pa gen pou le marim met komanse debake. Mwen a, pwede ki ap deson, marim profite deson ansama avek yo tou pou la lisande ki sape, yap di. Et puis c'est là Marie Mouibé et je suis au courant, les jeunes messieurs que je pense que je vais pas aller, parce que c'est pour faire le mieux pas aller. Et puis il y a deux policiers qui viennent avec une lettre. Lettre qui dit que le directeur policier a remis dans des maris. Marie, c'est parce que moi, c'est un policier, c'est le directeur policier qui a remis dans des maris. Lui, parce que c'est quelques informations, le directeur policier a besoin d'un homme. Parce que c'est un deal déjà dans une femme grippe. Et après, il y a la piscine passée. Il y a des directeurs policiers. Elle dit la police dit qu'il n'y a pas qu'on a rien de ça, elle dit l'enquête. Il n'y a pas qu'on a rien, il n'y a pas qu'on a rien qui fait du flamme ou qui fait gaffe. Et puis c'est le moment, et il y aurait le commissaire là, il a fini avec le montrer Marine dans un long téléphone. Il y a un mandat que le gagné, que vous les mettez contre lui, un mandat d'âme, vous mettez contre lui pour participer à des malfaiteurs et de la fille en dame. Et tous les paroles, c'est un mandat à vie pour l'âme. Ok. Non, non, et que qui ça toujours motivé, présent sous, ou même avec Marie ou. Dans tout débarquement, Miss Lily a fait, contrairement avec l'autre bateau. C'est comme ça qu'on fait. Tout le monde toujours, je pense que tout le monde qui vient bateau toujours, présente toujours là. Premièrement, présence est importante pour là, surtout en Haïti, c'est pour éviter pour insécurité. Parce que c'est nous toujours, ou quand toujours jeune monde qui vient à côté avec l'autre monde pour venir mettre des bagages illégales dans le bateau en République aux États-Unis. Non, mais puisque. Puisque vous-même avec Marou toujours là, là, pas une surprise encore, c'est sous question mandat, question association de malfaiteurs là, automatiquement, débarquement a fait, nous sommes au courant et que vous joignez des matériels comme vous âmes avec munitions en dans bateau. Non, vous n'avez pas parlé dans bateau, je t'ai joué dans la boîte après que monsieur et René Vus, vous avez venu chercher dans la boîte. Mais on va dire que madame Nandila qui. Attire l'attention, moi-même, qui est extrêmement important. Ou là, c'est pas que comme si je m'a critiqué et Madame Jonas avec Studio Jonas, non? Ou du moins, ce monde qui a voué, monde qui a bateau, qui a transporté des cargaisons de bagages dans le pays d'Haïti, non? Dame dit comme ça que présence li important avec toute Marie pour que ou là, pour. Ça cap monte dans bateau qui pour entrer aux États-Unis d'Amérique pour pas mettre bagay qui louche dans bateau. Ça c'est premier bagay. Et ça que nous devons connaître. Yon bateau cap sorti dans quel que soit pays sur la terre. Depuis la prend direction les États-Unis d'Amérique. Mettre bateau a fait tout effort que le connaît pour pas joindre même yon pour cartouche en dans bateau. Parce que depuis tout de yo bateau arrivé aux États-Unis d'Amérique. Yo scanné yo jeune là d'un gros bagage qui louche. Mettre bateau ça non seulement la perte du permis, elle qu'après prison la perte du bateau à tout. Ça veut dire que moun yo gen intérêt pour yo présent sur waf dans pays d'Haïti, le bateau a chargé pour rentrer les États-Unis d'Amérique pour yo vérifier tout ça qu'a rentré dans bateau a. Pour que yo pas en contradiction avec la loi américaine. Leur arrivé l'autre bord, parce qu'ils ont perdu licence, et ont quand même déporté dans le pays à même, parce qu'ils ont vivre l'autre bord, et ils ont perdu bateau à tout. Ça veut dire qui ça? Mounio, a plus sensibilité pour ça qui a sorti Haïti pour entrer aux États-Unis d'Amérique pour contrôler, que ça qui a sorti aux États-Unis d'Amérique pour contrôler, ça qui a rentré dans le pays d'Haïti. Parce que c'est haïtien. Là, moi-même, je sais de bagay que je ne peux pas donner, mais bateau ça y est. Je me dis ça clairement. Je ne peux pas quitter assassiner le caractère dans le pays d'Haïti. Parce que je connais ce qu'il a fait dans le pays là. Sauf façon comme si vous sale nous et pour être capable de protéger les gens à costume qui sont dans le trafic d'armes dans le pays. Là. Et ça fait que vous avez expérience de venir attaquer nous. Moi, je ne peux pas quitter ça passer. Mais entre temps, faut que moi tout profite de dire. L'important pour nous venir rentrer dans le pays d'Haïti, pour nous prendre avion rentrer dans le pays, pour nous venir vérifier si bateau a gagné de bagages qui est cap monter la qui pour entrer aux États-Unis d'Amérique. Mais il n'est pas important pour nous. Les bateaux ont chargé sous WAF Miami ou sous WAF côté des États-Unis pour l'entrée dans le pays d'Haïti. Il n'est pas important pour nous pour nous venir vérifier. Parce que dans ce cas, dans le pays, ce n'est pas nous, c'est le pays nous. Même trouver que nous devons faire le même geste là. Le bateau a chargé l'autre bois, à le camper sous WAF là tout. Ce bateau a fait 15 jours au mois pour le charger, mais j'espère que chaque sac à monter dans le bateau nous fait vérifier.
Parce que la charge d'Haïti, c'est même pas que nous faisons. Pour nous capables du bateau, pour nous capables du licence, pour nous capables de déporter nous. Beaucoup de dit plus, non? Mais ça est très important. On avance. Oui, tout à l'heure, on va y plus, ça pour peut-être pas. Attendez, vous dites que c'est pendant le débat que m'a fait, pour les petits Kéo, et que Mario dit, bon, boîte, ton petit boîte, li ouais, qui loue, c'est trois mondes qui mettent ensemble pour le vel, et l'elfin dit ça, c'est laissé à l'argent de l'Adia, c'est qui petit boîte ça, et li ouais, c'est cartouche qu'il a donné. Cartouche. 120 000 cartouches. Pépé. Est-ce que présence ou même avec Marie ou dans débattement Miss Lilian toujours fait tout dans embarquement? Belle question, Bobsi. Belle question. Mais vous ne savez pas constater des boîtes ça un peu le monde à côté depuis aux États-Unis. Moi-même qui question, ouais, moi-même malgré mes problèmes avec Bonera avec ça qui n'a média qui n'a média traditionnel dans Haïti, mais Bob s'est posé une belle question. Et ces questions ça m'a posé là. Même j'ai présence nous important pour que dans le débat dans le pays d'Haïti, pour que nous là, pour que nous. Alors, le bateau n'a pas baqué. Même j'ai présence nous important, le bateau nous a chargé dans le pays d'Haïti pour entrer les États-Unis d'Amérique. Qui ça fait présence nous pas important? Le bateau a chargé les États-Unis d'Amérique. Pendant ce temps, Haïti, le bateau a chargé pour entrer les États-Unis d'Amérique. Ou du moins, le bateau a déplacé, il faut que nous vérifions si pas un bagage qui est louche qui a monté le bateau nous. Et puis l'autre bois, nous ne pas faire pour le même château. Bon, si même si nous voulons ensemble avec nous fonctionnons avec, mais là, on pose une belle question. Félicitations. On avance. Si vous prenez aux États-Unis, c'est Fortrix qui les veut voir. Si vous voulez, vous avez venu, vous déposez tout le bateau sur un palais. Et Fortrix les veut, vous avez un bateau différent. Avec ici, ici, c'est le monde qui est engagé pour lever. Mais aux États-Unis, il y a matériel, il y a crime pour lever le bateau. Et aussi, il y a Fortrix qui vous lever. Et qui contrôle, allez, bon, comme nous tous en embarquement, et qui contrôle, qui regarde mon ça, au disant gagné, sous ensemble colis, qui a rentré sous bateau pour venir à Haïti. Là, vous regardez au niveau des États-Unis? Oui, oui, États-Unis. Ok, là, mon arrivé aux États-Unis, combien ça m'a fait pour rentrer dans le guet là, il besoin d'un permis qui est valable, qui est en licence. On a gagné un truc court. Avec tout le code là, c'est fédéral aux États-Unis, avec tout le code là, qui a toute information mon à la donne pour l'entrée sous port, pour le niveau des marchandises. Le monde est arrivé, qui ça nous fait, nous prenons information mon bas, nous prenons nom mon nom, nous prenons téléphone mon nom, et mon cap recevoir au Haïti, et téléphone mon cap recevoir à Haïti. On ne passe en plein main, on dit que ni on ni Mario n'est toujours présent dans le débattement Miss Lilian. Comment faire le nous la caille nous? Nous ne pouvons pas jouer une pièce d'information qui dit nous que des bagailles qui sortent dans le bateau qui sont illégales, tant que nous sommes avec munitions. Non, ce n'est pas la caille. Nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous placés, nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes. C'est nous-mêmes qui vivons les marchandises, les marchandises de la vie, mais parce que nous avons réclamé les marchandises, nous vérifions avec les marchandises de la vie. Et nous avons l'autre monde encore qui fait vérification ça. Et qui compte exactement vous arrêté Marie ou bien pour que ça ou même tout vous pas arrêté au même jour? Moi, arrêté Marie m'était venu parce que l'homme dans le commun s'est débarqué. Marie m'était accompagné, monsieur, avocat, avec tout le stock qui a monté dans le toit avant que le commun s'est débarqué. Mais moi-même, ma propre corrigée sur le truc. Vous pouvez corriger vous-même? Votre corrigée. Ok, qui compte vous arrêté Marie ou? Vous arrêté le soir, là, soir pour le père. Pour le père. Et qui ça vous dit au reprochel? Il y a un conseil de l'association de l'affection et de l'affection d'âme. Ok. On y a une arrestation. Nous avons besoin de présence pour un avocat. Qui premier pas, qui premier deux marches ou même? T'as bien, oui? Pour nous, tu vois le Pierre Espérant, je n'en dois ça pour le demander. Qui premier deux marches qu'on mène de pays temps? Pour le premier deux marches que nous t'aimons, c'était dans lundi. Après que nous t'aimons dans des commissaires, la semaine qui est en train de faire pour Batouan, nous avons consulté un avocat. Il était M. Jean-Marie pour Espal. M. Jean-Marie te demande est-ce que j'ai une lettre qui dit que je mettais une intention de départ pour bateau. Moi, je dis M. Jean-Marie, non, que je m'arrête, que c'est sur Radio Caraïbe que je m'attendais et commissaire là, du ça. Il me dit, mais non, c'est pas un problème, je prends le côté commissaire là, moi, je m'en comprends qu'il s'est gagné. M. Jean-Marie, parce que même j'ai une chance, je connais toujours une chance à côté commissaire là, en lundi, et puis c'est je viens arrêter Marie, je m'en ce matin, et lundi, je. Et qui est-ce 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 qui est-ce
mon papa j'aime mes Jean-Marie. Moi là quand il me partage mes conduits, mes papiers, je me suis connecté avec Marie pendant que j'étais fouillant. Et c'est le temps moi obligé à engager un autre avocat qui c'est Maître Michel Blanc qui voulait faire procédure pour la démarrer. Et Maître Michel Blanc c'est lui-même qui dévoile les requêtes qui fait que j'ai libéré Marie. Donc en toute à mes consciences, vous reconnaître que vous engagez des avocats qui c'est Maître Jean-Marie ainsi connu et Maître Michel Blanc, c'est ça? Maître Michel Blanc. Et qui quand on fait connaissance avec Maître Robinson Pierre-Louis, qui lui-même identifié tel mais parole là, et Marie. Il pas connaître. Moi, je fais connaissance avec Maître Robinson Pierre-Louis. Tout la journée. Maître Robinson Pierre-Louis dit que Maître Blanc, c'est parce que c'est dans le dossier que je connais. Par contre, Maître Robinson Pierre-Louis dit tout. Je n'ai pas besoin Maître Robinson Pierre-Louis non plus tout comme avocat. Moi, pas connaître. Que Maître Michel Blanc travaille avec le conseil, mais moi-même, je suis consulté Maître Robinson Pierre. Donc, il n'y a pas de parler avec Maître Robinson non plus. Non plus. Ou dit que c'est le Maître Robinson qui parle sur radio, pendant le DCPJ, il dit c'est avocat, c'est les sœurs qui parlent avec lui. Par contre, ils sont élus. Non, il n'y a pas de parler avec nous, c'est les pas qui parlent. Ah, ok, voilà, prendre. Voilà, la des ondes. Ok. Mais à aucun moment, bah, j'en parlais avec M. Pierre-Louis. Non. Donc, est-ce que pendant ma ou dans la prison, on connaît que dès que constituer des avocats comme ça, il faut que des fonds qui débloquent, il faut que des corps qui débloquent. Et donc, quoi débloquer pour les avocats ou le travail correctement. Mais moi, c'est le travail pas. Quand moi paye avocat, moi paye M. Blanc-Michel. Et pour le faire, procédure pour Marie de calibrer. Eh bien, bien. Mais somme que je dis que je paye, je ne vais pas payer comme ça. Ok. 200 000 $ non? Non, oui, 200 000 $ par contre, du tout. Mm-hmm. C'est menti que je ne vais pas payer 200 000 $ Et j'en parlais avec Marie-Ou, il n'a pas contacté des personnes interposées pour être capable de faire suivi ça. Marie-Ou, dans la rue, c'est moi qui fais toute procédure. Et l'argent que j'ai payé, M. Michel Blanc, j'ai trouvé que c'était raisonnable pour un avocat qui travaille. J'ai demandé, on peut dire raisonnable, j'ai trouvé que c'était raisonnable, j'ai payé. Mais en fait, 200 000 $ là, que par exemple, qu'on ait 200 000 $ du tout. Et par exemple, j'ai payé l'argent partout, la caille pour me payer au monde, pour te laver au monde. 200 000 $ c'est exagéré. Et Marie Oudou, il n'est pas comme Marie Oudou, côté lié, il fait nouvelle tout, il a des bagailles. L'oral dit Marie Oudou, bon, histoire. Et 200 000 $ là, oui. Il y a une espérance invitée, inventée, pardon. Le juge, le monde qui l'entoure, le ministre de justice, etc. Droyen en particulier. Lors dit Marie ou ça, qui réponse t'es? Marie, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Marie, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas de Marie, je ne sais pas de monde que je rencontre pour un an. Très bien. Je ne sais pas de monde que je viens 22 ans. 22 ans ensemble. Je suis un garçon de 15 ans avec lui. Très bien. Et quand je parle de monde que je rencontre aujourd'hui, si c'est bon l'argent, ça va être moins que ça va être. D'ailleurs, tout le monde qui est habitué avec Marie, je connais Marie, je ne sais pas si c'est pauvre. Ok. Et Kounia, et processus qui peut mener la libération Marie ou Marie, avec combien de monde tu es arrêté? Marie, tu es arrêté pour contre. Mais que l'autre monde dit arrêté dans le même cas d'affaire ça. C'est parce que vous avez associé Marie avec sa privée. Après, vous avez donné la pression pour m'en dire comment faire inspecter boîte là. C'est ce qui fait vous associer Marie avec monsieur qui est le plus près de l'histoire. Vous avez arrêté ou ensemble? Vous avez arrêté ou ensemble. Vous avez arrêté depuis novembre ou vie. Vous avez arrêté depuis novembre ou vie. Marie vient arrêter après dans ma vie. C'est après gros réunion qui est faite dans un hôtel pour le faire. Et ça fait que je m'a demandé RLDDH pour une grande population un service. Vérifier pour qui raison qui fait que vous avez une grosse réunion dans un hôtel pour le faire. Bien pour que impressionner les douaniers pour dire comment le fait et vérifier voir ça. La grande population en service. Je m'a demandé RLDDH pour tout depuis maintenant investigation. Pour le demander, est-ce que deux mounes qui est indexé dans le dossier, qui c'est Marie Guirlaine, estimable, et Wilfried estimable, est-ce que pas deux noms mounes qui est douane gagner tout, qui est gagné comme monde qui est impliqué dans une affaire de carrière de l'autre bateau.
pour qui ça qui fait deux noms de monde pas jamais cité public pour tout le monde te connaît pour nous pas victime de lui encore mais demander que maintenant investigation on t'a même monsieur ta expérience et RDDH maintenant l'autre investigation encore pour qui raison que yo kebe 25 000 cartouches dans un camion jusqu'à présent il faut qu'on somme carte de population pour qui est camion pas pire dans le porte et c'est même si droit ça et tout qui était pas ça déjà yo. C'est une investigation. Et nous avons besoin de RDDH, mais nous avons investigation. 25 000 cartouches. Dossier et monsieur Edouard François, pour connaître qui est pour Edouard François, parce que nous-mêmes, nous gagnons information Edouard François dans la sécurité côté Edouard Boisio, nous gagnons Twitch Capri, nous gagnons 22 000 marchandises. Donc nous avons besoin d'investigation. Nous avons besoin de l'homme. Population haïtienne, ils ont grand service, les gens ne vérifient pas. Et c'est ça qui est mieux caché dans le dossier pour l'impliquer, Marie n'a pas prévu. Okay. Très bien. Et madame Jonas, vous avez intérêt pour contacter nous même dans InfoBeto pour nous toute information sur Eddy la France là, parce que c'est très important. Son dossier que nous avons suivi de près. Son dossier nous avons tout intérêt pour que nous comme si fonctionne comme si qu'un dossier ça dans plan mais nous. Son dossier qui épinglé, le paquet voie ou criminel gang dans Port-au-Prince avec dossier ça, peuple haïtien prend vrai visage. N'est qui est au ministre de justice, n'est qui est au ministre, dans le secteur privé, sous le secteur déshabillé tout le travail dans Port-au-Prince. De fait, nous avons intérêt pour nous qu'un dossier ça. Et son dossier, trafic d'armes, cap touye moun, cap fizye moun, cap kidnappe moun, dans Port-au-Prince. Je dis, il faut que nous bataille avec nek sa yo. Faut que nous bataille, madame ça, ou capable de contribuer. Numéro nous, c'est 438 507 27 32. Pas oublier, mettez plus un éval. Numéro nous c'est 438 507 27 32. Madame Jonas, vous avez intérêt pour que vous contactez nous. Dossier ça pour nous travailler pour lui. Pour nous avoir plus d'informations dans quatre dossiers ça. Parce que vous avez des gros boutons de vente au campagne là. Vous avez des détails que vous avez supposé et de nous joindre. Parce que dossier ça, nous avons un plan mais nous. Pour nous goûter avec ça. Yo. Cap rentrer zam avec balle pour trouer peuple haïtien dans votre poste là. Et donc pense que de quoi blague Pierre Espérance pour venir détruire nous dans port de paix. M'a dit moun port de paix camper avec la famille Jonas avec toute madame ni parce que pas gagner pour ouais avec que sous question bagarre trafic zam dans pays. Et c'est eux même moi. C'est grâce à eux même moi. Nous un dossier ça. Capable venir dans niveau levé là. C'est grâce à eux même moi. C'est Maria oui par curiosité oui. Qui persiste qui dit, ça qui n'est boîte ça qui cause les loups comme ça. On nous vérifie le nom. C'est pas bon, nous pouvons vérifier le bagage comme ça. Eh bien, là, il y a quelqu'un qui vient dans le pays d'Haïti, il touche pour lui. Mais il est tenace. Il tient à ce que l'agent douanier vérifie. Et de fait, c'est grâce à la déclaration ça qu'elle fait qui mène nous jusqu'à côté de nous là. Je dis bravo avec M. Jonas et toute madame Mumba, je ne connais pas nous. Mais je suis sûr que grand maître là, utilisez-nous pour le faire. Peuple haïtien connaît exactement mon cap planté zam avec balle dans zone bord de paix. Très important. On continue d'attendre madame et Jonas Lan cap expliquer. On avance. Et selon ce que dit là, vous semblez pas faire confiance avec révélation RNDDH. Jamais. Révélation pas catholique. Pas catholique du tout. Vous savez rien que RNDDH dit qui est vérité. Dans quatre dossiers, ça. Dans quatre dossiers, ça. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Non, non, écoutez, madame. Je ne dis pas que ce soit dit qui vérité. Pas que ce soit dit qui vérité dans ça qui rapport avec question de la droite. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Et moi, je dis que moi, je vais mettre blanc 5 000 dollars. Entre temps, n'avez pas de moins, jouez une possibilité, ou du moins, si vous avez un cap gardé là. Qui est capable de faire nous entrer en contact ensemble avec Jonas ou bien madame ni qui t'a porté qui t'a bien explication ça yo dans radio dans Haïti et il est très important pour que nous t'a aider me joindre madame ça parce que c'est très important son dossier que nous kembe dans menon parce que mon ça veut ça a dossier ça fait des pays dossier ça m'a fait mon connaître dossier ça a aider pays par rapport avec ça que n'a vivre là comme situation c'est très important madame n'importe bon capitaine d'ya qui gagne numéro. Et madame Jonas avec tout Jonas, si nous sommes capables de faire nous rentrer en contact avec nous, ou bien faire rentrer en contact avec nous, dans le numéro de téléphone de plateforme qui est 438 507 2732, et bien justement, aidez-nous à rentrer en contact avec la famille ça, pour garder comment nous sommes capables de
font ils parler ensemble avec eux dans l'émission que nous avons gagné après-midi à même à 6 h.m. En avance. Pour faire procédure de libération à eux, pas plus que ça. Après ça, on va dépenser notre argent encore. On va dépenser notre argent encore. Pas que l'autre monde ne paye pas. Pour gagner notre argent, c'est dépenser. Il ne va pas jamais dépenser notre argent. Il y a un monde qui rentre dans la négociation. C'est un monde qui connaît que l'irraté de responsabilité. Après, si vous responsabilité pour faire, ou pas faire, le partout sous raté de lit, ou capable de payer au monde pour qu'après nous. Mais nous-mêmes, notre bon côté par nous, tant qu'on est batoua, et tant que responsable est batoua, nous ne pas rien que la loi aux États-Unis dit nous pour nous faire, nous pas faire, ni pas bon ici. Et nous avons plus de 8 ans depuis notre fait de paix à Miami, nous ne pouvons jamais reprocher nous. Ni Miami, ni pour de faire des bagailles qui vivaient dans la commune civile. Mais quand même, dans le rapport à l'Etalébob, dans le rapport à l'NDDH, dans le rapport à l'NDDH, dans le document, il dit que Marie-Odile était payée pour ne pas fouiller le bateau. Non, pas du tout. Marie n'a pas dit ça du tout. Les Marines étaient obligés, c'est pendant qu'ils ont fouillé le bateau, Marie n'a dit ça. Pendant que Marine était là, parce que monté sur le bateau, tout le monde était là. Dès que le juge de paix était là, directrice de l'OAN là, le commissaire du gouvernement était là, tout est sorti de là. Si vous avez été sérieux, vous avez fait, c'est pas Marie qui a dit ça. Les gens disent que c'est une espèce qui dit que Marie nous dit ça. Okay. Parce que tout le monde était là, il y a un paquet de business qui était là. Si vous avez quitté cette carte, il y a plusieurs monde qui là. Ok, où est-ce que vous avez fait? Qui derrière le dossier, hein, parce que vous avez compris que c'est Marie qui était soulevé, qui était battu pour le droit. C'est mieux caché ça qui fait que monsieur a un RDDH aussi avec des rapports. C'est nous sans se dire rapport RDDH concernant un bateau Miss Lilian, son rapport qui est bourré de mensonges. C'est vrai que les bagages qu'on peut pas dire nous, les marous libérés, qui ça le partage avec ou en termes de procédure, processus qui menait à la libération là? C'est moi-même qui t'ai mené tout le processus sur monsieur Ebosté. C'est moi-même qui t'ai consulté avocat. Moi, j'ai gagné une requête avocat, j'ai recevoir le CV, j'ai voyé le retourner. J'ai tendu Marie devant le commissaire là. Et le commissaire là, libéré Marie, il dit que pour Marie, il n'y a pas de passeport. Marie, il remettre le passeport et puis lui-même, il libéré Marie. Alors, c'est pas un processus que Marie t'a mené en dehors de moi-même. C'est moi-même qui t'ai mené le processus pour te larguer. Oui, c'est dans la prison, c'est dans la garde à vue, donc c'est pas les cas menés et procédure. Mais qu'il y a un rapport ou même. Ou bien Marou gagné avec responsable douane, madame Rebecca. Nous connaissons, Marie nous reconnaît, nous commençons à parler avec madame Rebecca pendant 2 mois que madame Rebecca a gagné dans cette douane. Nous venons 2 fois sous madame Rebecca. Nous ne connaissons pas madame Rebecca du tout, nous ne connaissons déjà, mais nous ne connaissons pas notre relation avec elle, c'est seulement business. Non, mais dans le cas de bateau, ça. Dans quatre bateaux, ça, nous ne parlons pas avec lui. Parce que vous faites quoi que nous, Tabali, et c'est quoi que nous débattons avant pour empêcher que vous fouillez bateau. Non, c'est pas vrai. Non, ça va faire. Tout ça, c'est mensonge. Et qui ça? Je ne dis rien même. Tout ça que nous dit là, c'est purement la vérité. Je ne vais jamais mentir sur personne, du tout. Je ne vais pas payer Mme Rebecca, je ne vais pas que ça fait. Et ça, qu'elle était vérifiée, qu'elle était vérifiée, et elle nous payait la droite. Elle dit Madame Rebecca pas présent. Madame Rebecca pas présent, joue ça, vous avez fouillé Colio. Non, Madame Rebecca pas présent. Madame Rebecca est venue après notre samedi. Après qu'elle a fini passer dans votre goûté, Madame Rebecca est venue parler tout lieu, sous voir ça en samedi. Mais avant ça, nous pas trouvé, nous pas fait parler. Non, avant ça, nous pas trouvé. Les bateaux ont venu pour manifester pour soumettre avec des crises voilà. C'est seulement nous soumettre manifestement avec des crises voilà. Et pour parler de rien du tout. Madame, qui ça d'accord même qui t'a fait que Mario et Miss Lily en particulier bénéficiaient d'une telle rapidité judiciaire à t'annoncer le jour même de l'arrestation? Avocat mobilisé, manifestation, s'il pas libéré, n'a pas crasé, n'a brisé. La police fait intervention, l'avocat prend pile coup de botte, pile mauvais coup de poing. Doyen même font en action en habeas corpus immédiatement.
d'après vous-même, qui ça t'a justifié rapidité ça en faveur nous, alors que nous connaissons la justice en Haïti, les lentes, les moribondes, les pas marcher rapide, et bien moun pour un régime banane pour un poule, gain 8 mois, 9 mois, 1 an, 5 ans en prison, il pas jamais capable de juge naturel, et bien moun qui gain 3 ans en prison, pas jamais aller pour reprocher de qui ça va mettre en prison, et puis une telle rapidité judiciaire en faveur Marie ou Miss Billy en particulier. Avant madame de répondre, t'as une question pour se poser, pas de problème non, ou capable toujours questionner en tant que journaliste. Par rapport avec toute révélation que madame a fait là, qui ça fait que ou pas jamais dit comme ça que qui était Pierre Espérance gagné pour que il te produit rapport avec autant de rapidité et mettez tout chiffre ça dans un rapport qui pas rapport avec vérité. Qui enquête Pierre Espérance te mené sous ça qui passe pour DPA qui cause qu'il te produit rapport avec autant de rapidité. Personne n'est dans votre pas questionner association malfaiteur ça. Mais en plus envie assassiner caractère moun qui met bateau yo pour protéger des ravettes criminels dans Port-au-Prince. Papa, il semble que nous comprenons exactement dans qui combat que nous y est là. Situation extrêmement difficile. Il semble que nous bataille contre ça. Parce que nous yo méchants à mort. Et au criminel en pile papa ici. Nous semble que nous prenons responsabilité nous face à groupe criminel ça yo, groupe terroriste ça yo qui dans micro dans pays d'Haïti. Parce qu'ils ont plus envie de protéger l'association malfaite qui n'a pas de question pour détruire des Haïtiens qui ont fait business dans la province, qui sont mon province. Mais quand c'est un problème de province qui est avec mon nord, mon nord-ouest, qui cause le problème, ils ont toujours envie d'assassiner les caractères, détruire les gens. Quel problème de nous? Franchement, je ne comprends pas ça, non? On a des réponses, madame et Miss Lili. Allons-y. Bon, monsieur Bonté, et ce que vous expliquez, ce n'est pas pour Marine, ça s'est passé. Non. Ça s'est passé pour le commissaire du gouvernement, mais ce n'est pas pour Marine. Marine n'a dit aucun monde qui a fait ni manifestation, n'a dit aucun monde qui a fait ni aucun arrêt et tout pour te libérer, n'a aucun monde qui a fait rien même du tout. C'est moi-même qui ai consulté un avocat. D'après l'article et code commerce pays d'Haïtien, c'est pour ne pas que Marine n'a pas reproché de rien. Les voyants recettes les bah, commissaires du gouvernement, le commissaire du gouvernement a agréé les requêtes là. Mais pas de manifestation, c'est fait, pas de rien, c'est fait du tout. Oui, d'accord, avant c'était pour le commissaire du gouvernement, mais c'est suite avec même histoire bateau qui peut les mener dans l'arrestation du commissaire du gouvernement. Et donc, il est question de l'aide qui était sortie pour ma délibération, qui est sortie dans Port-au-Prince, etc. Non, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, ça, c'est pas pour nous-mêmes. Pas pour nous, ça, c'est pour le commissaire du gouvernement. Mais moi, je parle d'une zone à jouer, c'est la guerre. Moi, je consulte mes blancs. Moi, je paye mes blancs. Mais de faire une requête pour les commissaires là, ils ont recevoir une requête là, ils ont tendu Marine vers les 2 heures et ils ont décidé pour la démarrer avec une requête qui dit que d'après l'acte de commerce et la pays d'Haïti, je comprends que le propriétaire bateau n'a pas rien à revoir avec l'affaire pénale qui est passée dans le bateau. Hein. Et c'est pour le test de loi ça que vous libérez Marine. Non, ça me doule, les conseils de Marou, parce que question, l'aide qui était sortie dans Port-au-Prince, dans la justice, qui m'a des libérations rapides de Mounio, et c'est dans la même question, ça, vous allez épingler, mais. Non, pas problème, ça, vous mettez votre. 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 Donc, vous voulez faire nous connaître, faire vous dire qu'on connaît que Libération Maroula n'a pas rien fait dans Tipot, Bachal, dans Ragé. Donc, vous suivez voie normale, avocat, procédure faite correctement, et puis Maroula libéré. Oui. Et ça me dit, je dis vérité, et je dis pour la population, et pour tout le monde qui vit à Haïti, et tout le diaspora et autour, je dis ça. Il n'y a pas rien qui fait dans le dossier Maroula, que moi, parce que pas monde, ni me relève au monde, que mes. Avocat que nous avons gagné.
Donc à aucun moment, yon avocat qui a défendu Marouyo, pas de vin côté ou, pour te demander où on combat pas, pour te bailler tel, pour te bailler tel, et tel, et tel. Non, non. Avec 100% vérité, votre non. Ok. Et qui rapport nous te gagne avec le commissaire gouvernement? Non, pas rien. Le commissaire gouvernement, c'est un monde qui le fait pour le faire, même moi, je le fais. Le commissaire gouvernement, toujours qu'on voit le commissaire gouvernement. Et le commissaire gouvernement, toujours qu'on prend service dans le bateau. Et comme tout le bateau, toujours qu'on prend service là-dedans. Mais après, ça, du rapport de famille, de comme des amis, non. Oui, non, mais dans le cadre de dossier, ça, tout. Pas gagné à te demander, pas gagné à te bailler, nous-mêmes. Non, si tu pas gagné, mais tu te demander, pas gagné à te bailler. Ok. Très bien. Mm-hmm. Ok. Donc, on va dire. On m'a parlé pour Marine. Pour Marou. Okay. Mm-hmm. Okay. De l'autre côté, et de René Luz, de la France, de l'autre monde, je n'en ai là, je n'en dame là-dedans, avec ce que je ne pas connais. Mais moi-même, mm-hmm. qui c'est madame Jonas Joyce, là, nous pas payé commissaire là, Yodola. Et nous n'avons pas un avocat, un dollar. Et nous n'avons pas aucun autre monde de côté, un dollar pour libération marine, que l'argent que nous avons payé avocat. Avocat, ou disons que deux avocats. Et maître Robinson Pierre, lui, qui lui-même dit que tu es avocat marine, ou là, ou disons pas contre ça, ou même. Ou pas contre Robinson Pierre, lui, du tout. Pas contre Robinson Pierre, lui, non plus. Nous allons apprendre tout que tu as un coup de fil qui sort de Port-au-Prince. Et qui arrivait bon côté ou bien dans oreilles commissaire gouvernement qui t'a fait que l'agit vite dans le dossier Marou là. Non, non pas comme ça. On vient avoir prendre toute bagaille ça après l'arrestation, commissaire là me tendre bagaille ça parler dans la radio comme déjà tout le monde. Mais moi même pas au courant de ça. Et qui est selon vous qui t'a une responsabilité dans tout ça qui a fait Zam Sayo qui rentrer dans pays là, qui est dans Moun Sayo, ou parlez de Eddie La France, Marie-Guélène Estimable, expliquez-nous non, qui est Moun dans Moun Sayo qui est responsable que Katou Sayo, 120 000 Katou Sayo arrivé sur territoire. 120 000 cartouches. Bon, moi-même Eddie La France avec Marie-Guélène Estimable et Moun qui t'est venu. Oui, c'est l'estimable. Mais moi, que je connais, monsieur Eguerrier, il y a un monde qui a toujours battu pour tromper vigilance, quel est le monde que lié, quel est l'institution que lié. Au cas où l'airport, pour j'en ai dit, il y a une full sécurité airport. Par contre, c'est des monde qui s'est tenté passer avec bagaille illégale airport. Quand il y a là, c'est l'État haïtien qui vous connaît avec qui ça que vous venez pas mettre en place pour ne pas victime pour l'État privé là. Parce que aux États-Unis, ils ont venu avec une loi qui dit que où aller de ça pour eux et de ça que on a détruit qu'ils gagnent. Mais par contre, ils ne vont pas qu'on vienne faire ils viennent avec chien, ils viennent avec l'autre bagage pour venir vérifier quelques voies. Mais c'est pas souvent. Parce qu'ils passent de la caille. Ok. Je vois, c'est aussi la sortie de la caille. Bien comme ça, ils sont aussi une chef comme ça. Mais quand il y a nous-mêmes qui étaient haïtiens, qui concernaient, que c'est la caille n'a pas pris, il y a une détruite ici, non. Maintenant, des docteurs qui ont parlé là, ça fait tristesse de me donner des docteurs à parler, des gens qui sont jeunes. Et quand c'est nous-mêmes qui vous prenez avec qui cette résolution de Palvini qui pour empêcher que ça arrive encore. Parce que nous avons toujours tenté de venir avec nous. Mais nous-mêmes qui avons un bateau, pas de contribution que nous avons dans ça. Pas de contribution que nous avons, c'est seulement si nous avons un bateau. Parce que tout le monde qui a un bateau, mettez ensemble pour acheter un screener, mettez pour tout le monde, chaque fois, et vous mettez un screener pour nous, pour nous avoir un bateau dans le screener. Combien de vent apparaît ça? Apparaît ça, combien de vent selon vous? Moi, pardonne combien apparaît ça avant. Parce que dernièrement, on a un citoyen qui parle de l'appareil ça, soit dans 200 000 dollars ou 120 000 dollars, on va rappeler. Donc, avec l'appareil ça, ça permet de détecter. Détecter tout le bagage qui est illégal qui t'a pas venu dans mon boîte. Mais sans ça, on a toujours tenté de venir avec un bagage qui est illégal. Sans nous, on a un pot qui est pas passé avec l'argent, qui a été passé avec un bagage illégal. Il reste pas avec drogue, malgré qu'il y a un screener dans un boîte. Donc, c'est pour tenter vigilance et autorité. Alors, on va pour un bateau. Qui vient passer de carrière dans la banque. Nous avons une boîte qui est liée à là avec l'autre bagage. Moi, je suis capable de vérifier la boîte là. Je ne sais pas si je suis là. Parce que nous avons un paille avec le paquet de bail PP.
propre et qui vont pas être capables. Ça veut dire qu'ils ont marqué boîte à boîte. Ils ont rappé en noir. Combien de boîtes? Combien de boîtes au total? 32 boîtes. 32 boîtes. Ok, 32 boîtes, ça c'est dit la France qui voyait. C'est là qui est extrêmement grave, oui. Cartouche cap trouye moun nan pays d'Haïti, oui. Zam cap trouye moun chaque jour, oui. Nèg ap rentre pas 120 000 cartouches. Ça, quand tu as une équipe pour méchant, monsieur, pour l'argent, nous connaissons pas la trouye moun chaque jour. Et parce que c'est pas ou même la trouye ou préférer faire cob là. Ça, yon suppose mourir. Ça cause la peine de mort. C'est très, très, très important dans le pays d'Haïti. Aïe, monsieur, on avance. Oh, jusqu'à présent, nous. Jusqu'à présent, là, toujours. Et même pas besoin de Wilfried Estima Blanc. Tant qu'on va jeunir, c'est parce que douanier, téléphone free, c'est du charge. L'élevé, les messieurs Wilfried, là, pour venir en charge au pouvoir plan, téléphone du charge. L'immense douanier pour relayer Wilfried Estima pour lui, pour venir pour aller rejoindre les élèves qui sont illégales qui n'ont pas. Et puis, pendant que l'immense pour utiliser le téléphone, douanier n'a pas supposé bailler. Bah, au monde, elle dépose elle pour vous. Donc, ça veut dire, Wilfried Estima Blanc, t'es Haïti, peut-être, est-ce qu'il l'a toujours pas connaît, mais la justice, la police, pas arrivé jeune. Est-ce que vous intéressez, toi, à Avel? Parce qu'avec recherche, pas rien. Oui, donc, pas rien, juste à présent. Ça veut dire. Seulement, il a besoin de charger. Jean-Fritz Wenel, lui-même, il est toujours dans la prison, bah oui. Non, pas dans la prison, mais il a le même jour qu'il a gagné Marine. Tout à fait, il ne faut pas entendre parler des gens, mais quand on est avec Marine, c'est pas le mais je ne vais pas parler, madame. Politique, elle est en rentrant dans le bateau là, parce que RNDDH dans le détail, pièce par pièce, ou tu vas avoir une vérité dans le RNDDH là. Et qui ça RNDDH vient chercher là pour la bouffer par une mensonge? Quand tu connais là. RNDDH vient chercher la dame, c'est n'est pas chez qui derrière, pas Marine Kézian qui rentrait RNDDH dans cette aspect là. Mais moi, je vais dire RNDDH, l'homme population service, même pour la première fois. Rendre la population en service, investiguer ce dossier.
Réunion ça, vous parlez à quoi vous voyez une idée à Charles Gade. Ok. Non oui, mais mes questions n'ont aucun bien pour répondre pour moi tout à l'heure. Qui est-ce qui était dans la réunion ça, qui t'a fait et commandé un DDH pour la fournir, j'ai gardé. Qui est-ce qui t'a fait gros réunion ça, côté où t'es forcé douanier pour te dire qui est-ce qui t'a dit la fouiller et boîte. Non, c'est pas parce que vous parlez de combien de mètres c'est parce que vous demandez un DDA qui gagnait à parole qu'on parle là, même mini justice là-bas. Très important. Nous devons connaître ça. Parce que la situation est extrêmement grave. Et car ça, je ne vais pas nous pas capable de même pour une seconde. Mais ce qui est grave. Et l'autre partie qui est extrêmement important et que m'a profité et invité nous pour que nous t'attendions ensemble avec nous. Dis ça aurait été la justice n'importe au prince. Je dis à mon citoyen qui a vu déshabiller avec ça que l'État a mis en justice dans le pays d'Haïti, avec ravet ça que l'État a commissaire du gouvernement dans le pays d'Haïti, avec tout groupe gang qui s'est des substitut commissaire du gouvernement dans le paquet de Port-au-Prince. Moi-même, c'est une déclaration que l'avocat a fait. Ils ont payé, ils ont substitué le commissaire du gouvernement, plus passer $200,000 américains pour libérer un seul de chef gang pour lui. En tant d'avocat, Lila, il va me dire non, en tant d'ensemble avec nous. Très important, on avance. Magistrat William Mouin, qui prend courage à demain, parce que c'est justice à Haïti dans sa vie. Là. Et tout le monde. Justice injuste. Tout à fait. Tout le monde a parlé de pays, de pays, de pays. Et tout pays n'a pas les aujourd'hui à ça ou hier, c'est parce que y a une justice qui forte. Mais ici nous-mêmes, c'est l'inverse. C'est justice qui est à Haïti dans le niveau lié à là. Et tout les qui décide aujourd'hui à, soi-disant, ils ont servi le pays à, et qui sont droits, ils ont rien pu servir le pays à, mais ils ont servi l'intérêt par eux. Ils décident un bon matin à l'école de droit, ils font 6 ans là, militer, et puis à l'école magistrature, ils ont eu juge ou substitut commissaire, et puis ils mettent Haïti dans sa lié là. Voilà que on prend Python Jean Hérault, confident Joseph Schiller, Louis Jean Josieux, qui arrêtait la question parquet qui crase. Bon, c'est moi, non, ou c'est avocat de profession. Je regarde des configurations parquet. Et on croit que on apprend que la police était là et qui était même mené détenu. C'est couru et couru. Oui, et puis même machine la police, non, bandit. Tout à fait. Kounia, pour nous les dîmes, d'ailleurs, je n'ai pas adressé directement avant, avec mini justice. Là. Ministre, comment sentiez-vous pour au nom des ministères, convoquer monsieur, qui c'est. Et d'ailleurs, mon cap travaille pour 10 000 gouttes, un pitance qui n'est pas même carré gagné pour vous. Mais c'est une finir de la faire nous écraser par qu'elle nous. Parce que ça nous démêche un fait. Assumez-nous. Et puis, je voulais vous dire à vous, monsieur Sayo, nous prenons pour montrer la société, ou du moins le monde entier, que nous avons fait un travail, et puis nous arrêtons. Arrêtez-vous, méchanceté. Et Hérault, en de prison, confident Joseph Schiller, lui Jean Josieux, et on a pour gagner une madame, monsieur Octavine là, gagner une noyau qui n'est pas même là, qui est en congé, monsieur. Comme c'est Jean Lafontaine, tu fais qu'on est que lui-même, il a découragé le parquet pour remettre démission. Il t'a dit que le pape fait doctoral dans la question de démission. C'est je ne peux pas venir nous voir la leçon parce que nous connaissons comme intellectuel la vision qu'on ne savoir faire. Mais moi, ce que j'ai dit, on t'a décidé de remettre démission, est-ce que ou pas d'accord le. Et ministre justice à l'époque, quand on souligne, on te dit qu'il n'y a pas de droit de subalterne parce que on estime qu'on l'y passe. Mais je voudrais dire la question qu'on a posée peut-être nous, on va reconnaître que le ministre justice qu'il a, qui a bon l'ordre là, il était arrêté déjà lui-même et pour malveillance. Pour gloire. Côté que des juges de paix, non, et. Miragouane. Et Miragouane. Voilà. Mais on est d'accord, le niveau qu'on est, pour écouter le monde
aux ordres de monsieur, et moi-même, je perdu là. Parce que vous devez remettre démission, parce que vous n'êtes pas d'accord, ou même, marché dans la logique, et commissaire, et ministre de justice à l'époque. Vous voulez dire qu'il y a une petite contradiction? Non, mais bon, c'est, vous sont les qui très intelligents. Mais si vous êtes d'accord, remettre démission, et puisque vous n'êtes pas d'accord que, et il te dit à l'époque, le ministre de justice là, il n'est pas compétent. Maintenant, je me demande, est-ce que monsieur Céline Goli, qui fait jeudi, il a arrêté là, ça a arrêté là, et nous sommes d'accord. Et commissaire gouverneur, je dis, vous imaginez hier, CGA a pris une décision, on va nous tout le temps d'elle, et pas oublier que je dis, le parquet est un indivisible. Les prises décision, il dit que, et personne ne parquetier, pas les droits, ni dans le sous-commissariat, ni dans le commissariat, ni dans la prison, vous avez hors de libération sans que ce n'est pas lui. Monsieur, dans le cas de ce pays, il faut que des gens, monsieur, il faut que d'accord des gens qui ont décidé de le tuer, mais qui viennent nous dire le peuple la vérité. Parce que si pas que ceux qui vont l'éclater, quand tu peux ça? Quand tu peux ça? Si on va embaguer 24 substituts ou même faire 25, qui c'est commissaire en chef, je dis à pour vos décisions comme ça, mais qu'on y a fait un petit peuple là, que reste mon gars, c'est volé. Voilà. Qui est le chef paquet lui-même? Chef paquet? Ah ben, moi pour nous. On prend. Et monsieur, ça a arrêté là, soi-disant, il a dit que, il y a un gars qui t'a pris 250 000 dollars américains, c'est ça lié, et ça fait arrêter. Ben là, vous parlez. Non, mais, banque Israël, pour te battre, un substitut, monsieur, substitut ça, il était quoi des bouquets? Dans mes informations, pour pas sans savoir, et que l'information circulée, tu as laissé comprendre que Yoswen a un contact serré entre Yon, dans mon yon épinglé, à tel enseigne, qu'on question de pompe gasoline, c'est que je ne connais pas, guerrier, je ne sais pas si ils ont une pompe gasoline, bien Yon là-dedans, yo, on croit que qui jouait un gros rôle en dans pompe gasoline Isoa. Il a demandé, est-ce que il y a un détail vraiment sur l'information ça? Et yon source, bon côté paquet, fait qu'on est oui, et il y a un bon genre indice. Qui sont au point d'information ça? Bon, c'est bon. Ouais, ça n'est d'ailleurs. Tout le monde dit, n'est pas dit, c'est le problème de parler national. Non, mais peut-être que vous n'avez pas fait l'idée politique à Bolotio. Confiance, exactement. Pour vous prendre, vous n'avez pas qu'à Kembil. Vous n'avez pas qu'à Kembil. Peut-être que vous faites une stratégie guerrier. Vous rendez compte, si vous prenez, vous occupez, vous avez mouru. Et en groupe, au commandant de l'homme, enfin, quand on attaque, soit étrangère, quelconque, et il y a quand même un groupe, ça c'est la première réflexion. Et puis deuxième réflexion, si on prend, qui est-ce dans l'exil là, où est-ce qu'il y a Baïli? C'est parce que il n'y a pas de monde qui ne peut pas prendre le mouvement. Voilà. Si on a un leader politique qui dit prend le Baïlou, quand on a parlé là, trois petits pour y aller, exactement, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y a intérêt, on ne peut pas gagner l'or en dedans, guerrier, pas gagner un bauxite en dedans, pas gagner un diamant en dedans, ou quoi, ça me dit, c'est vrai. Bon, guerrier, en sérieux, monsieur, pour ça, gagner en bas la ville là pendant 4 jours là, c'est pour un local palais national là qui ont défi. Eh bien, voilà. Bon, tourner sur Rosenberg là pour tourner sur question bon gazoline au palier. Rosenberg là, il était substitut commissaire et quoi des bouquets. Oui, ok. Son juge. Substitut. Ok. Mais ça n'a pas vu l'argent lui-même. Volant. Mais M. Guélet, tes promotions. Monsieur, faut comprendre ce qu'il a fait dans le pays. Monsieur, tes promotions ancien ministre Ali. Ok. Jean Oudi Ali. On a le des bouquets. Le foie des bouquets, c'est sauf pour le commissaire chef là, qui vont être climatiseur là-dedans. Ok, voilà. C'est-à-dire que l'on est en bas comme substitut, ce petit ventilateur, s'il est couvert de ça. Parce que c'est pour côté qui est équipé vraiment. Même si ça n'a pas vu l'argent, ils prennent, ils transfèrent, ils ont question dossier. Monsieur, pour dire que la sanction, de quoi des bouquets, c'est pas de pressure. Ah, monsieur. Remois froissage, nous perdus. Eh bien, monsieur Ville n'a pas fait protocole. Il est plus volant. Waouh, non, mais ça passe. Ah, mais voilà. Mais maintenant,
Je dis que c'est une qui nous dit papa, il pas yo. C'est on parle de charge. Tout à fait, yo pas yo ben monsieur. Voilà. OK, c'est une qui t'a prêté 250 000 dollars. Qui fait Non mais ISO et puis qui baille. Parce que kidnapping là. Non mais ISO. Et policier dans le cas ça dans la première intervention commissaire gouvernement mais Jacques Lafont en fait autour de question ça l'a été saisi de voice ISOA pour nous prendre comme acte et tout à fait juridique et moi-même ça t'est poussé mal tendé voice ISOA en profondeur t'es bon contentieux comme ça oui. Parce que dans Voice ISO a parlé avec Zamilan, ou là guerrier, il dit clairement, nèg yo a plaidé ou l'il, et puis tout en ayant dit par une séance, et puis en bas Gilles Lala, yo mène moun vin juger. Donc l'opre contenu Voice ISO et action commissaire gouvernement et révélation. Sous substitution d'expliquer à là, semble qu'il y a un indice. Mais voilà. C'est-à-dire que, et même substitut ça, c'est lui qui t'a libéré, jeune homme, son j'étais fusillé, et sécurité, et ministre, et bras de l'an, qu'est-ce que ça? Ah bon? Ah oui? C'est même, tout à fait, c'est même substitut ça, oui. Il a quitté Guetta parti, et puis qu'on y a propre toi, monsieur, pour recourir. Pour dire que c'est vous n'ayez qui te prend quoi dans mes banisos, monsieur. Justice là-bas, d'ailleurs, en bas, sur le centenaire. Non, mais. Bon, c'est. Peuple, la Steve, vraiment, c'est toujours été bon en mer. C'est là, il est dans sa. Attends, vous volez en bas. Vous volez en bas. C'est que, quand il y a pas de conseiller, c'est qui était le côté en bas. On va quand même aller traîner, mettre des bêtises en ville, mettre votre frère, parce que. Si. Même là, je dis nous comme ça que. Le monde sait qui n'a pas qu'un en bas. Substitut commissaire de gouvernement, commissaire en chef, avec conseil des juges qui est dans le cabinet d'instruction en bas, dans le palais de justice là. L'homme dit qu'il y a plus kidnappé que ISO, je pense que c'est blague. Il y a plus criminel que ISO, il y a plus gang que ISO, il y a plus gang que tu l'appelles. Regardez-vous, Pita, 6 heures boule, sous plateforme YouTube, vous mettez-vous. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, Samy Randal, toujours dans la prison, nous avons pris le cause qui nous prend parler avec le peuple là. Regardez-vous, Pita, 6 heures PM. Dans le pays d'Haïti, moi-même en pile. Kebela, info bientôt.